années 1924, 1925 et 1926 marquent dans l'histoire du Cameroun, sur le plan médical, une période dramatique. Sur 100 décès constatés dans les régions du centre Cameroun, 45 sont dus à la maladie du sommeil. Chaque année, à cette époque, 50 000 habitants de l'Afrique équatoriale et du Cameroun meurent de cette maladie. Les régions les plus riches en hommes et en ressources économiques sont naturellement les plus atteintes par le fléau. Tous les produits du sol ou de la forêt doivent être, faute de route, évacués à dos de porteurs ou en pirogue. Porteurs et pagayeurs, en traversant ou en séjournant dans les villages, disséminent la maladie par l'intermédiaire de la mouche tsetse. L'épidémie frappe avec une telle rapidité que la main-d'œuvre ne tarde pas à faire défaut. Chaque jour, l'administration reçoit les plaintes affolées des grands chefs coutumiers. Mais on manque de médecins, d'infirmiers et de médicaments pendant que la foule des malades envahit les rares dispensaires. Que faut-il faire? Demande-t-on à Jameau. Depuis l'année 1920, répond Jameau, nous avons énoncé les règles primordiales qui doivent être appliquées sans aucune discrimination si nous désirons juguler la maladie du sommeil. Ces règles sont les suivantes. Visiter un par un tous les habitants des régions suspectes. Seul un examen positif, contrôlé par le microscope, doit autoriser le médecin à porter un diagnostic de maladie du sommeil. Les malades recensés doivent, quel que soit leur état, être exemptés de travail et d'impôts. Pour exécuter ce programme, il faut le plus vite possible créer une mission permanente et autonome de prophylaxie contre la maladie du sommeil. Le 8 juillet 1926, Jameau obtint satisfaction. À cette mission, il fallait une capitale. Ayos, centre médical, où venaient d'être construits, grâce au gouverneur Marchand et au concours des populations de la région, plus de 40 bâtiments, fut choisi comme centre d'instruction. Situé au cœur même des régions les plus atteintes, Ayos était le mieux placé pour spécialiser en quelques mois les médecins, les agents sanitaires européens et les infirmiers africains. En 1932, quand Ouagadougou, en Afrique occidentale française, créa son école, 12 infirmiers camerounais sortis de l'école d'Ayos en furent les premiers moniteurs. Mais en 1925, avant la mission, Ayos ne disposait que d'un seul médecin lieutenant et de 2 sous-officiers pour soigner les 30 000 sommeilleux recensés entre Yaoundé et Yokadouma sur plus de 500 km de forêt. Chaque jour, affluaient à l'hôpital plus de 200 consultants. Les malades grabataires arrivaient du fond de leur brousse, portés en hamac par les familles, et venaient grossir l'effectif des 400 sommeilleux hospitalisés. Ce rassemblement permanent de grands malades devait permettre aux médecins stagiaires de se familiariser avec les différents aspects cliniques de la maladie du sommeil. Voici par exemple des malades dont l'apparente embonpoint peut faire croire à un excellent état de santé, alors qu'en réalité, leurs centres nerveux sont atteints avec la même gravité que chez les malades squelettiques. Au stade terminal, la trypanosomiase est caractéristique. Le sommeilleux n'est plus qu'un grabataire. Il tombe, là où il se trouve, entraîné par un invincible sommeil vers une issue fatale à laquelle aucun remède ne peut faire obstacle. En 1926, des milliers de malades dans cet état peuplaient la vallée du Nyong, ce fleuve formant l'axe d'une épidémie qui décimait les populations. L'évolution de la maladie du sommeil, non soignée à temps, se fait avec une grande rapidité. Les traumatismes, les accouchements, les maladies intercurrentes, la famine et surtout le surmenage physique en précipitent l'évolution. Du sang ou de la lymphe, le trypanosome s'installe dans les centres nerveux. Et à ce moment, l'on voit apparaître tous les grands syndromes de la pathologie nerveuse. Syndrome paralytique.
Syndrome moteur dit d'excitation. Les tremblements. Les tics. Les mouvements athétosiques. Syndrome choréique. Et même les syndromes hypertoniques de type parkinsonien. Seule la triparsamide à cette époque pouvait guérir une certaine proportion de ces malades. L'hôpital d'Ayos, installé au cœur même de la brousse, demeurera donc et demeure encore un véritable centre d'études de la lutte contre les maladies tropicales. Mais comment dépister un trypanosomé au début même de sa maladie quand il est encore facilement curable? La période d'incubation est relativement courte, 2 semaines environ après l'inoculation par l'insecte. Le système lymphatique réagit et l'un des premiers symptômes est l'engorgement des ganglions du cou ou de la région susclaviculaire. Le médecin qui a constaté ce symptôme doit ponctionner le ganglion et faire procéder à un examen microscopique du suc ganglionnaire. Si cet examen demeure négatif, on prélève le sang du malade par le procédé de la goutte épaisse. On colore cet étalement de sang par la méthode de Ross et on l'examinera ensuite à l'objectif à immersion. Ces deux méthodes conjuguées, ponction et prise de sang, donnaient un pourcentage de 90 à 92% de résultats positifs. Il arrive que chez un malade présentant des symptômes cliniques de trypanosomiase, ni l'examen de la lymphe, ni l'examen du sang périphérique ne peuvent faire la preuve de l'infection trypanique. En ce cas, le médecin doit avoir recours à la ponction lombaire. Au début de la mission Jameau, cette opération devenue courante aujourd'hui n'était pratiquée que dans les centres hospitaliers. C'est donc avec le maximum de précision possible pour l'époque que le personnel médical et infirmier de la mission Jameau devra opérer. Et de plus de 100 km à la ronde, les habitants ont pris l'habitude de venir à Ayos se faire examiner et soigner. Mais le traitement de la maladie du sommeil en fonction du nombre considérable de malades qui demeurent dans leur village exige un personnel instruit. La technique du dosage médicamenteux et celle des injections doit être rigoureuse et exige les plus grandes précautions d'asepsie. Sous la surveillance des moniteurs, les infirmiers apprennent à Ayos cette technique. Plus de 2 millions d'injections sous-cutanées ou intraveineuses seront pratiquées par les équipes de la mission au cours des années 1927, 1928 et 1929. Après un stage de 4 mois à Ayos, le personnel médical était réparti dans les différents secteurs et les équipes mobiles pouvaient se mettre à l'ouvrage. La mise sur pied des laboratoires mobiles a été la clé de voûte de l'œuvre de Jameau. Les plans de la prospection médicale une fois établis au chef-lieu, les chefs de village étaient prévenus, les itinéraires dressés et le matériel rassemblé. Des hangars ont été construits dans chaque centre de rassemblement. L'équipe arrive au jour convenu. Les routes carrossables étant inexistantes, c'est au moyen de porteurs recrutés par les chefs de village que voyage le médecin et que le matériel est amené à pied d'œuvre. Pas de police ni de garde du corps. L'équipe est attendue avec impatience car, conscient des dangers de la maladie, les habitants viennent sans hésiter au devant du médecin. Dès leur arrivée au village, et malgré les fatigues de l'étape, les infirmiers camerounais, qui se sont toujours montrés d'excellents auxiliaires, s'affairent à dresser leur matériel de prospection. «
Chacun des membres de l'équipe a une tâche définie. Une fois les habitants classés par famille, par âge et par sexe, il faut d'abord établir la carte médicale du pays. Toutes les manifestations internes ou externes déclarées par le malade sont inscrites sur un registre. Pour faciliter la tâche de l'écrivain recenseur ou de l'infirmier traitant, le médecin marque avec une solution de craie sur la poitrine de l'intéressé le diagnostic de l'affection ainsi que la dose du produit médicamenteux qui devra être injecté au malade après que sa fiche aura été établie. Les équipes doivent travailler 10 heures par jour. Un minimum quotidien de 400 habitants, recensés, examinés et traités, a été fixé par le chef de la mission. Les opérations de prospection se déroulent donc suivant le protocole enseigné à Ayos. Palpation des ganglions, ponction du suc lymphatique. Prise de sang. Et contrôle microscopique. Pas un examen positif, pas un diagnostic ne doit être prononcé sans que le médecin ait lui-même vérifié le résultat des recherches. Une fois le contrôle effectué, le malade est conduit devant l'écrivain qui lui établit une double fiche. L'une portant son état civil ainsi que le diagnostic donné par le médecin, la seconde portant les mêmes renseignements, mais qui sera, elle, conservée au fichier du secteur. Le trypanosomé, ayant reçu un premier traitement, attendra dans son village l'appel du chef coutumier. Conduira alors devant une équipe de traitement dirigée par un agent sanitaire européen. Ce dernier devra vérifier l'état du malade, s'assurer au cours des 10 à 12 visites qu'il effectuera dans le village de la parfaite tolérance du produit injecté et modifier les doses en conséquence. Cette équipe, outre les déplacements à pied de village en village, sera tenue de pratiquer de 5 à 600 injections par jour. Au cours des années 1927 et 1928, qui marque la période critique de la trypanosomiase au Cameroun, 783 763 habitants furent examinés par 10 équipes médicales, ce qui représente environ 40 000 examens microscopiques par an et par équipe. Le nombre des malades reconnus atteints par la maladie du sommeil fut de 178 507, soit un pourcentage de 23%. On peut estimer à 100 000 le nombre de Camerounais qui échappèrent à une mort certaine grâce à l'action de ces équipes. Trois années donc après le début des opérations de prophylaxie, Jameau pouvait annoncer à ses collaborateurs principaux réunis à Ayos le succès de la mission qu'il avait dirigée. La vie était revenu. Les fleuves avaient repris leur cours tranquille et le Cameroun, réveillé, pouvait sans crainte repartir vers sa nouvelle destinée.